Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous allons encore dévancer l'Europe pour sortir de tous nos tombeaux et récupérer toutes nos grâces. Guerrières, guerrières de prière, bénissons notre Dieu en ce jour, en ce matin, en ce bon matin, pour toutes les grâces qu'il veut renouveler dans nos vies, sur celles de nos familles, sur celles de notre ministère, famille des peuples, pour l'église virtuelle que nous formons, que nous constituons. Nous voulons dire merci à Dieu. Et le psaume 5, à partir du verset 3, nous dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi. » Et je regarde. Oh, le Seigneur veut déverser ses grâces et ses bénédictions dans nos vies. Alors, levons-nous, car il veut entendre nos voix et nos confessions. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais cette déclaration avec moi. Seigneur, quand tu t'es révélé à Josué, en Josué 5, à partir du verset 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où il était un lieu sanctifié. Et fais cette prière encore avec moi. Père, le lieu où je commence ma prière en ce matin, je le sanctifie des quatre points cardinaux. Et j'y jette le sel. Bien-aimé, tu peux prendre ton sel. Si tu es déjà en route pour le travail, sache que le geste que je fais, il est aussi pour toi, pour sanctifier ta maison, pour sanctifier ton lieu de travail, pour que le lieu où tu es en ce moment soit sanctifié, soit inondé de la présence de Dieu. Et j'y impose la domination de Dieu et des saints anges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Proclamons nos gloria patri, trois fois gloria patri, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Invitons notre Sainte Famille, nos saints anges gardiens et tous nos saints patrons en disant « Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, je vous donne ma vie. » Prie encore avec moi. Mon Dieu, par cette eau prophétique, prends ton eau prophétique, mets ton eau bénite et par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ, mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à tous mes parents et à toutes les âmes du purgatoire. Bien-aimé, aspect dans l'atmosphère spirituelle de ta maison, dans le lieu de ton travail, si tu es déjà au travail, répands le sang de Jésus par cette eau bénite. Alléluia. Et continuons encore l'action de grâce en disant, mon Dieu, je t'adore et je te reconnais comme mon Créateur et mon Souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé tout au long de cette nuit. Et ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Et je demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté que les journées précédentes. Et si je dois t'offenser volontairement, corrige-moi, Seigneur. Sainte Vierge Marie, toi ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi, mon Père, et le protecteur de mon âme, protège-moi, mon ange gardien, Saint Michel, mes saints patrons et saints patronnes, et vous tous, saints et saintes des églises catholiques, orthodoxes et romaines, célébrez aujourd'hui, secourez-moi dans tous mes besoins et priez avec moi afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de tout noyade, de tout feu, de tout péril, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons annuler tous les mauvais rêves que nous avons eu à faire tout au long de la nuit afin que Dieu vienne effacer, recorriger ce que l'ennemi voulait nous imposer. Et la Bible nous dit en Daniel 4, à partir du verset 19, « Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te trouvent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Alléluia. Annulant, apposant tous ces mauvais rêves. Jésus, toi, nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je commande et j'ordonne que chaque flèche de la mort dans mon rêve
sorte maintenant même au nom de Jésus et retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus, tout rêve de rétrogradation, de pauvreté, d'échec, tout rêve où les portes me sont fermées, au nom puissant de Jésus, j'appelle le sang de l'agneau afin de briser ces portes, de casser ces verrous démoniaques, au nom de Jésus, et je confesse et je déclare que je suis victorieuse au nom de Jésus, je suis victorieuse dans le nom de Jésus, je suis victorieuse par le sang de Christ Jésus, je suis victorieuse et je transforme ces rêves démoniaques en rêve de victoire, en rêve de force, en rêve de puissance, en rêve de succès au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, après avoir annulé tous ces rêves, nous allons implorer la miséricorde de Dieu afin que Dieu, dans sa grande bonté, vienne encore à notre secours. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 7, en 2 Corinthiens 7, à partir du verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Demandons pardon pour toutes nos iniquités, pour toutes les transgressions qui ont souillé notre chair et notre esprit. Demandons que le sang de l'agneau, le sang de Jésus nous nettoie et nous purifie de toute immoralité sexuelle, d'idolâtrie et d'occultisme. Prie avec moi. Ô Seigneur, Dieu de miséricorde, je reconnais et je confesse devant ta sainte majesté que je suis un pauvre pécheur, né dans l'esclavage du péché, enclin au mal, incapable par mes seules forces de faire le bien. Je transgresse tous les jours de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur moi les conséquences de mes actes. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge, pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées, mes paroles sont contraires à la gloire de Dieu. Tout en moi n'est qu'intempérance, vie sensuelle, haine, colère, rancune, jalousie. Seigneur, ce matin, je veux te demander pardon. Pardon. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que le sang de l'agneau me purifie et me purge au nom puissant de Jésus, afin que je sois rempli de la miséricorde de Dieu, afin que je puisse me présenter devant ton saint trône, afin que je puisse présenter mes intentions. Alléluia. Bien-aimés, après ce bain prophétique, nous allons maintenant intercéder maintenant pour tous nos sujets de prière, afin que Dieu entende nos voix et que par nos confessions, il puisse nous exaucer. Alléluia. Brisons en même temps tout esprit de célibat, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, afin que nous puissions entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous en tant qu'hommes et femmes. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11 et 12. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Alléluia. Prie avec moi. Jésus, trois fois nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, je déclare. Parce que mon conjoint n'est point sans moi et que moi je ne suis point sans lui. Tout esprit de famille qui voile le visage de mon conjoint et qui l'empêche de me voir soit détruit par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Seigneur Jésus, tout problème existentiel en mon conjoint et en moi qui nous empêche de prendre la décision pour aller au mariage, que cela soit consumé par le feu. Par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus. Prie encore avec moi. Seigneur, tout parfum de rejet, d'humiliation dans ma relation amoureuse, dans mes rencontres, toute mauvaise odeur qui attire à moi des personnes méchantes, au nom puissant de Jésus-Christ, avec ce parfum, bien-aimé, tu peux prendre l'eau prophétique et tu vas te baigner avec, comme je le dis, tu vas t'asperger avec, afin que tout parfum démoniaque, tout parfum qui ne confesse pas le nom de Dieu soit ôté. Asperge-toi comme celui-là. Asperge-toi. Afin que toutes les mauvaises odeurs puissent être ôtées de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Afin que tout odeur spirituelle, tout odeur qui ne confesse pas le nom de Dieu soit ôté par le sang précieux de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Et nous continuons notre temps d'intercession et nous allons prier pour les couples en difficulté. Alléluia. Nous allons prier pour les couples en difficulté. Deux valent mieux que un.
nous dit la Bible. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, que toute porte que j'ai ouverte à la sorcellerie à cause des disputes soit fermée par la puissance du vent d'Est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit fermée par la puissance du vent d'Est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Chaîne de sorcellerie héritée dans ma famille soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le marteau de Jérémie et je casse ces chaînes démoniaques au nom puissant de Jésus. Toute odeur de mort qui réduit le passé agréable en oubli, qui amplifie les petites erreurs en des montagnes de crime, qui m'impose l'échec, la frustration de mon couple, je commande, tu disparais par le feu au nom puissant de Jésus. Tu disparais par le feu au nom puissant de Jésus. Et je confesse en ce matin. Et je confesse que mon foyer est libéré. Et je suis heureuse dans mon mariage. Au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que par l'intercession de la Théotokos, qu'elle m'accorde la grâce de l'entente, de l'union, de la communion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour l'enfantement. Nous allons prier afin que Dieu puisse faire de nous des femmes fécondes au nom de Jésus. La Bible nous dit en Lévitique 26, à partir du verset 13. Lévitique 26, à partir du verset 13. OK? La Bible nous dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Alléluia. Ce joug sera brisé et tu marcheras la tête levée. Sang de Jésus, trois fois et nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Éternel, je t'invoque en ce matin. Comme tu as brisé le joug de l'esclavage de ton peuple en Égypte, brise le joug de la stérilité qui veut frustrer ma vie. Oh Père, tu as dit qu'on ne trouve pas dans ta maison une femme stérile. Et sur la base de cette parole, je maudis et je refuse la stérilité et les fausses couches au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les parasites spirituels qui se nourrissent de mes graines, de mes entrailles, soient consumés par le feu. Soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le feu et le tonnerre de Dieu détruisent tous les cadenas démoniaques utilisés par l'ennemi pour verrouiller mes entrailles. Je brise le pouvoir au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, prie avec moi. Oh Dieu, corrige tout trouble dans le fonctionnement de mes ovaires, de mes trompes, de mon utérus et active en moi la grâce de la conception. Papa, corrige tout dysfonctionnement de mon appareil génital, de mon appareil de reproduction, de mon époux et de moi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, continuons dans notre temps d'intercession encore. Prions pour le travail et la promotion. Alléluia. La Bible nous dit en Romains 8, à partir du verset 37. Romains 8, à partir du verset 37. Alléluia. Et la Bible nous dit, « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Jésus, trois fois, nous prions. Jésus, 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 au nom de Jésus et par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que toutes les situations qui jusque-là se sont dressées sur mon chemin de travail et ma promotion, je commande qu'elles soient détruites par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Seigneur Jésus, Dieu des miracles, je plaide le sang de l'agneau sur mon CV. Je plaide le sang de l'agneau là où mon CV est. Je plaide le sang de l'agneau sur les entreprises où mon CV a été déposé. Au nom puissant de Jésus, et comme tu as favorisé Joseph et Daniel, révèle-moi du manteau de faveur durant mes entretiens d'embauche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, touche le cœur de ses patrons, touche le cœur de tous ces patrons qui vont m'appeler et qui vont me faire cet entretien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que je sois une faveur en face d'eux. Alléluia. Prie encore avec moi. Oh Dieu, Dieu de bénédiction, je voudrais, par ta grâce, accéder à un poste supérieur. Bien aimé, si tu n'arrives pas à
à évoluer dans ton travail, il faut crier à Dieu. Alléluia. Ce matin, Dieu veut entendre nos confessions. Seigneur, prie encore avec moi. Seigneur, je voudrais par ta grâce accéder à un poste supérieur et aussi avoir un salaire qui sera plus élevé. Au nom puissant de Jésus, demande-le à Jésus. Je déclare et je confesse, j'ai en moi l'esprit de la réussite. J'ai en moi l'esprit de vainqueur. Je remets en toi, Seigneur, tout mes situations de difficulté et que l'ange de la faveur et l'ange de l'exaucement interviennent en ma faveur au nom puissant de Jésus. C'est fait, c'est fait, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Et nous allons continuer encore, nous prions pour les affaires. Nous allons prier pour que Dieu fasse en sorte que nos affaires fleurissent et évoluent. La Bible nous dit en Zacharie 4, à partir du verset 7. Qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. Tu vas dire trois fois feu du Saint-Esprit et nous allons prier ensemble. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Père, tout esprit qui veut m'empêcher de vaquer à mes occupations, esprit de distraction, de lourdeur, d'assoupissement, de paresse, je commande à ces esprits de prendre feu maintenant même, de prendre feu au nom de Jésus, de prendre feu au nom de Jésus. Père, sur la base de ta parole, selon Deutéronome 28 à partir du verset 13, Père Céleste, je rejette tout esprit de queue dans mon emploi. Je rejette tout esprit de non-accomplissement dans mes travaux. Je rejette tout esprit de succès et de stérilité dans mes affaires. Et je réclame l'esprit de tête. Je réclame l'esprit de succès au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ennemi dans mes affaires, dans mon lieu de travail, dans mon entreprise, qui se déguise en ami ou même en partenaire pour me faire du mal, soit dévoilé et exposé et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Korachéke les bébés. Père, prie encore avec moi. Par la puissance de la croix du calvaire, oh Jésus, où Jésus a accompli ma délivrance, je réclame et je reçois le pouvoir de vaincre et d'exceller dans ma carrière. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je vais de promotion en promotion, de succès en succès, que les partenaires viennent jusqu'à moi, que les dossiers soient ouverts, que mes prêts que j'ai demandé à la banque me soient donnés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait, c'est fait, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour tous nos papiers bloqués, pour tous nos papiers administratifs qui sont bloqués et que nous n'arrivons pas à récupérer. Alléluia. Et la Bible nous dit en Jean 15, à partir du verset 7. Jean 15, à partir du verset 7. Jean 15, à partir du verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Priez avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je prophétise que toute entrave à la signature de mes papiers administratifs, de mes documents est brisée par le feu du Saint-Esprit. Et je déclare que toute entrave à l'obtention de mon visa, de mon titre de séjour est brisé par le marteau de Jérémie au nom puissant de Jésus. Je prophétise en ce matin que tout blocage à l'obtention de mes papiers de retraite, de naturalisation, de regroupement de famille, d'extrait de naissance pour divers usages de titre foncier, du permis de conduire, du permis de construire, du permis de travail, du certificat de résidence, de la green card est ôté par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je rentre en possession de mes papiers au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, parce que mon Seigneur est mon sauveur et est mon victorieux vainqueur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, nous continuons dans notre temps prophétique et nous allons prier maintenant pour demander à Dieu la délivrance et la santé. La Bible nous dit en Exode 9 à partir du verset 1. Exode 9 à partir du verset 1. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Jésus, trois fois nous prions. Jésus, 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 oh Dieu, Dieu de ma délivrance, fais des miracles dans ma vie qui étonnera le monde. Anéantis tous les projets de mes ennemis et donne-moi la victoire dans mes combats. Au nom de Jésus, car il est beau pour ceux qui marche avec Dieu. Il est toujours grand
pour ceux qui marchent avec Dieu, car ils rendront témoignage de toi. Alléluia. Prie encore avec moi. Yahvé, Dieu de Sabaoth, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les racines et tout arbre de la sorcellerie, tout piège de la sorcellerie, tout souche de la sorcellerie dans ma vie. Et je vous commande de sécher. Et je renverse tout mur d'opposition physique et mystique érigé contre ma réussite, érigé contre mon bonheur. Et que les fontaines nouvelles apparaissent maintenant en Jésus-Christ de Nazareth, du désert dans lequel l'ennemi m'avait jeté. Alléluia. Prie avec moi. Par le ministère des saints anges, par le ministère des saints anges, je retire mes bénédictions de l'eau. Bien-aimé, fais le geste. Je retire mes bénédictions de l'eau de mon village. Faut dire l'eau de ton village. Tu connais le nom de l'eau de ton village. Je retire mes bénédictions de l'eau de mon village, de la forêt, des cimetières, des tombeaux, des hôtels de famille, des loges mystiques, des banques sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, fais de moi un centre de bénédiction. Seigneur, fais de moi un centre de bénédiction surnaturel. Plante-moi dans la rivière de la bénédiction et de la prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie encore avec moi par le sang. Sang de Jésus, toi, enfin, nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Par le sang de Jésus, que toute marque d'identification de la sorcellerie dans ma vie, toute maladie mystique que les sorciers ont déposée en moi, soit ôtée maintenant même à l'instant. Au nom puissant de Jésus, que tous mes poursuivants obstinés soient consumés, soient comme de la paille emportée par la puissance du vent. Père céleste, que par ton épée, poursuis-les. Détruis-les, détruis leur pouvoir, tous les démons, tous les cachettes, derrière tous ces blocages, frappe-les à mort au nom puissant de Jésus. Et que toutes les maladies qu'ils utilisent, toutes les souffrances qu'ils utilisent pour mettre dans ma vie, Père, je leur retourne au nom de Jésus. Je retourne, Papa, la maladie. Je retourne l'arthrose. Je retourne les myomes. Je retourne, Papa, toute forme de maladie, le diabète. Je retourne les cancers à l'envoyeur. Je retourne toutes les maladies déclarées, non déclarées, connues, non connues, au nom puissant de Jésus. Toute souche de maladie que les sorciers ont voulu déposer en moi. Je leur retourne cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Maintenant, je suis libre de tout lien de servitude. Car Christ, par son sang, m'a racheté. Je possède mes territoires, je récupère tous ma santé, je récupère mon élévation. Désormais, on devra compter avec moi, car mon Dieu dresse devant moi une table face à mes adversaires. Ils onduisent ma tête et ma coupe déborde selon Psaume 23, à partir versets 5 et 6. Oui, le bonheur et la grâce, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Car l'Éternel marche au devant de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. Bien-aimés, nous sommes au thème de notre temps d'intercession. Rendons grâce à Dieu, car nous sommes exaucés, guerriers et guerrières de prière. Alléluia. Et je bénis Dieu pour vos vies et pour tout ce que vous faites dans la maison du Seigneur en apportant vos dîmes, vos offrandes, vos charités, vos sacrifices, vos prémices. Vous pouvez toujours appeler la presbytère Josiane Amand au 01 02 11 96 07 et la sœur Florence Achia au 01 01 31 51 06. Nous vous attendons ce soir à Business Gathering à l'école des hommes d'affaires en milieu africain. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, même ceux qui font un petit commerce, vous êtes concernés par ce temps de prière, parce que en milieu africain il y a des réalités que l'ennemi impose à nos frères et sœurs et ils échouent dans leurs affaires alors qu'ils sont bien partis. Donc, bien-aimés, nous vous attendons ce soir afin que la puissance de Dieu vienne briser tout ce qui est chaîne, tout ce qui est opposition dans vos affaires, tout ce qui fait que vos affaires n'arrivent pas à avancer, tout ce qui fait que vos commerces n'arrivent pas à évoluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde tout au long de cette journée sa grâce et sa bénédiction par l'intercession de la Théotokos. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.